me suis TP ici pour un petit peu visiter. Parce que j'ai très peu exploré. Alors, ça va niquer un peu les gueuses des eaux. Voilà. Je me mets un chemin. Non, ça sert à rien que j'en mette trop. Mais je suis obligée de faire ça, j'ai vraiment pas le choix. Je vais essayer d'aller plutôt vers la gauche parce que j'étais allée vers la droite tout à avant. Et j'avais croisé des mobs chiants. En allant à gauche, peut-être que je trouverai d'autres choses. Ouais, non, mais là, je vais vraiment... je recule, en fait. Oh, un ours! Oh, un gros ours! Oh non, les ours, ils sont trop chiants! Non, moi, je veux pas les ours, hein. Là, je tombe, je pense, là. Ouais. Enfin, je tombe, je meurs, quoi, si je tombe. Par contre, ici, j'avais pas vu. Mais y a pas de loot. Ah si, y a des loot. J'ai entendu l'ours, il est pas loin. Je l'ai pas bien semé, je crois. Voilà. Là, ça va. Non, 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 ça, ça va pas. S'il y a des aigles, c'est que ça craint. C'est que c'est haut. On va essayer de descendre, du coup. Ah, oh, mais il y a encore ici. Voilà, des petites runes. Je descends. Ah, là c'est bien là. Ouais, c'est les loups. Je me tire. Je m'en fous, je me tire. Non, j'ai dit. Ah, j'ai dit, je me tire. Ah. Oh, il y a le dragon, c'est ça. Non mais quelle horreur. Quelle putain d'enfer cette zone, qu'est-ce que je fais là? C'est qui fait ça que je le bute? Oh non mais... Quelle zone de l'enfer! Ne signifie pas une arme ou une compétence. Bah écoute, là j'évite tout dans cette zone, c'est trop dur. Là j'y pète. Ah, je vais essayer de récupérer mes runes puisque j'en ai quand même 50 et quelques. Oh, c'est sous la boule. Les boules électriques, on est d'accord, on peut rien faire. Je m'éloigne. Oh, coucou toi. On se posait un peu ici. Oh, qu'est-ce que c'est? Bah c'est rien, Lox. C'est rien du tout, meuf. On va se poser quand même un petit pique-nique, là. On va boire un petit coup, voilà. Voilà, voilà. J'ai à peine bougé. C'est fantastique comment j'avance pas du tout dans cette zone. Alors, t'as resté par là? Ah, oh, c'est lui, il y a l'ours. Il y a les ours et qu'il y a le cimetière. Donc, lui, il serait peut-être intéressant. Bon, j'avoue, il a l'air spécial, mais. Disons que bon, je suis un peu occupé, quoi. Que je peux viser? Je vais viser en permanence. Oh, non, mais une zone blanche comme ça, mais c'est pas possible. Hein.
Marteau de guerre putréfié. Qu'est-ce que j'ai dû y putréfier ? Eh ouais, ouais, t'as fait raison. GG. J'ai looté. Par contre, les ours, on va pas me faire croire qu'ils lootent un truc, hein. Non mais je recule là, j'ai pas vu. Comment ça se fait que je recule ? Alors. Ça va. Regardez, juste 57 000. En vrai, on a déjà perdu beaucoup plus. Hein. On est plus à ça près. Hein. Ah oui, c'est vrai! Non, mais je le fais pas, lui. J'ai déjà tué une fois. Ça suffit. Ok, bon, il y a eux. Ah, il y a un truc que je voudrais voir là-bas. Ah oui, j'ai fouillé eux. Je crois, hein. Je suis quasi sûre que j'ai... Oui, j'ai fouillé. Déjà, il y a un scarabée là-bas. Et là. Un petit truc ici, non? Non, je déconne, y'a rien. Y'a rien, j'ai compris qu'il y a rien. Sûrement des trucs, mais putain, je peux pas y aller, quoi. Je sais pas comment faire avec ces boules, faites comment, vous. Oui, il y en a un autre que j'ai déjà tué comme ça, mais je sais pas si c'était sur cette map. Un gars avec le marteau. C'est l'endroit où il y a le dragon, là, non? En fait, j'ai appuyé vraiment plein de fois pour descendre, mais ça a jamais marché. Oh, il y a les chanteurs, j'adore quand ils chantent. J'ai couru en travers. Bon, plusieurs fois, le temps de piger comme on passait. Ah ouais, punaise. Il y a les taureaux et les taurennes, là. Ils étaient chiants parce qu'on avait toujours de cachets, en fait. Eux-mêmes, ils sont pas durs, mais on a toujours de cachets. Ils sont immenses. Vu que j'ai tué beaucoup à distance, je me rends pas compte à quel point ils sont grands. Si c'est ça. Et bonjour. On n'a pas d'autres de cachet, je suis très étonnée. C'est quoi? Corne de robustesse plus... Hein? Je sais pas si c'est... Alors faut que je fasse gaffe parce que là il y avait des boules pas loin mais j'ai oublié où elles sont. Oh, il y en a une là. Ok. Ah faut que je les évite. Faut pas qu'elle me voit en fait. Mais comment savoir si une boule te voit? C'est un peu le problème quoi. Une boule sans yeux. Faut pas les viser hein. Non je peux pas. Je peux viser les petits chinchillas, quoi. Je ne fais rien passer. Je sens hyper mal.
y a des poules. Franchement, je me suis bien sorti. Y'en a une ? Oh ! C'est quoi ? Y'a quelqu'un de géant ? Oh, putain, c'est trop de trucs que j'avais pas vu. Y'a une ruine des anis ? Ah, des anis ? Oh, y'a un géant. Y'a des rats tout vénères. Une mana. Il m'emporte des runes. Que dalle. Oh, y'a un géant, c'est chiant. Il me donne full rage et tout là. Faut que je trouve des. Un feu en fait, hein. Quand même. Là, ça fait longtemps. Là, regarde, j'ai fait tout ça. Y'a pas de feu. C'est pas du boulot. Pour augmenter grandement ta robustesse, donc la résistance au saignement. Pratique comme manière qui s'en colle. En plus, il y a putréfaction. Ah, je savais même pas qu'elle en collait. J'ai pas eu le temps de m'en rendre compte encore. Elle avait pas besoin d'aller jusque là, quoi. Vous entendez ? Un petit feu quelque part, là ? Oh non, mais ils ont tous c'est la putréfaction enragée, là, ou je sais pas quoi. Ou c'est la folie, ou je ne sais plus. Au loin, j'entends des gros pas. Hein. Ah, mais c'est toi qui te fais tirer, je crois. Oui, c'est ça qu'on entend, je pense. Et je ne vois pas de feu du tout. On va faire un tour, un peu éloigné. Pour voir si d'une, on voit d'autres trucs intéressants. Et si de deux, évidemment, on voit un feu. Bah forcément. Quand t'as compris comment l'éviter, c'est con de mourir de saignement quand même. Ouais, mais je crois que c'est un truc du coup... C'est quoi, c'est un talisman ou c'est un consommable? Un truc comme ça? Parce que j'ai vu x1, donc de toute façon j'en ai qu'un quoi. J'en ai peut-être d'autres en vrai. C'est beau. Un talisman. Ah! Ah ouais! Ah! Ah! D'accord. Je vais pas le tuer. Je me suis dit, on pourrait peut-être discuter. Y a pas de vendeur non plus, hein. Bah, en même temps je vois rien, je trouve pas les points d'intérêt, je trouve pas... Je vais aller par là? Non, bah, je vais aller un peu par là. Parce que bah, toute la zone des géants, je sais que je vais forcément mourir à certains moments et j'ai pas vu non plus de statue de respawn. Là je vois un ours. J'ai vu ça. Là j'ai vu là. Oh non! On va voir un connard qui va venir m'embêter et pénétrer dans ma monde. Pas la meilleure utilisation du verbe que j'ai fait, désolé. Vous auriez pu être bien plus créatif. Il est venu ? Il est où ? J'ai vu, hein. Elle est là. C'est chiant un peu. Mais il est où ? Ok, déçu, mais désolé, attends plus, j'aurais pu vraiment à vous sortir mes vannes les plus, mes blagues les plus grasses, mais j'ai pas fait. Int, t'as mis un poids sur la carte, il devait te donner une intuition.
Bah moi je cherche un camp, un feu, et je vois pas de feu, alors j'en cherche. C'est pas mon intuition qui me dit où sont les feux de camp, c'est ma vue quoi. Je me rends pas compte de la hauteur, je suis sûre que c'est pas si haut, mais j'ose pas sauter. Non mais ça gueule toi. C'est stylé. Non, c'est pas stylé ça. Ah ! Ah, t'es tué ma monture ! Ah ! Ok. J'ai dit que t'étais à la seconde. T'as mis un point. Oui, j'ai mis un point, mais je cherche un feu et j'en vois pas. Et vu qu'il y a à peu près 1 milliard de géants dans la zone, tant que j'ai pas un feu qui me sécurise, bah je préfère pas tenter d'y aller. C'est juste la logique. Après, bah oui, vous savez. Du coup, vous vous dites, bah c'est débile, pourquoi elle va pas au feu? Et parce que moi, je ne sais pas où sont les feux, en fait. Et quand il y a beaucoup d'ennemis dans la zone, qu'ils ont l'air assez forts, et que moi, j'ai pas de point de respawn assez proche, bon bah je préfère la prudence avant d'essayer de tenter. Et ce soir, je pensais au jeu dispo uniquement sur console. J'ai découvert. Dispo sur PC, ben je vois. Ben, t'avais jamais regardé? Non, non, il est effectivement sorti sur console en même temps que sur PC. Y'a pas de sous. Y'a pas de sous. Pas où il est, mais j'ai envie d'être dans un endroit où je peux le fuir. Il est là. Allez. Il va esquiver. Je me suis vengé. Capuchon de noble sanglant. Tâche de noble sanglant. Couvre-jambe de noble sanglant. Ça a l'air stylé le couvre-jambe en vrai. Je vais regarder. Pieds nus. Descends. Voilà, voilà. Un petit peu nu-pied quand même. Les pauvres petons. C'est lourd ça, non? Faudra que j'aille voir d'autres trucs. Je suis rien du tout, je suis rien du tout, sur rien, et ça me va. Désolée, j'ai vos deux pseudos qui sont en jaune, et du coup parfois j'ai l'impression que j'ai déjà lu le message, mais non, c'est le message de l'un de vous deux que j'ai pas lu. J'ai déjà vu sur les meufs ce genre de petits points. Oui, non, mais je me doute qu'il y a un... En fait, ce que je veux dire, c'est que je me doute qu'il y a un feu dedans. Le truc, c'est que ne sachant pas où il est, j'ai peur de le tenter. Mais bon, j'en vois pas autour, donc je vais être obligée. Bien. Clé lame de pierre. Il me faut une clé lame de pierre imprégnée. Ça, il me faut ça. Mais vu que j'en ai déjà trouvé plusieurs et que je sais pas où c'était, bah faudrait que je sache déjà où j'ai été.
Je tente pas, hein. Moi, je fais ma flippette, hein. Ne suis pas, voyons. D'accord. Non, je le ferai tout le temps. Oh, je n'ose pas aller ni d'un côté ni de l'autre parce que j'ai vu des gros géants et je suis dans une zone où tout me fait très mal, alors j'ose pas. Comme Lionel. Lionel, j'ose pas. Arrête! Non! Non! Tu vois, je savais qu'il allait me faire trop mal. Dégage. Non! Ah, j'ai essayé de taper, mais mon perso, il a préféré dire: eh, t'as vu, j'ai plus de mana. L'animation qui dure 6 minutes. Bon. Tchou. Ok. Je sais. Ah, oh, c'est un géant. Dodo. Géant, il fait dodo. Ah, ils font pas dodo. C'est des bâtards. Merde, je l'ai réveillé. Il peut pas sortir à vous. Trop deg. Ah, il peut pas sortir, il est trop deg. Tiens. Ah. Ah, je l'ai enlevé, je crois, non. Ah. Ah, c'est pas grave. Il faudra que je fasse ça. 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 Je suis renforcée. Et je crois que j'ai fait une connerie avec les cendres. J'ai dû l'enlever en pensant qu'il fallait que je la remplace. J'ai fait de la merde. Non mais arrête de glitcher, c'est chiant. Une tête de bronze. Non, il restait qu'un coup dans les couilles. Et ça t'es bon quoi. Oh, effigie de Marika. Oh non, mais j'entends les rats. C'est vrai qu'il faut les refaire. Ils sont nuls. Où ils sont? Objectif ruined. Objectif ruined. Un carré là. J'ai entendu quelqu'un parler presque. Il s'est fait crapac. Tu restes grand qui crapaque. Tout le monde alors, t'avances bien? Bah écoute, je fais d'autres zones. J'essaye avec l'aide des viewers et surtout de Sam de faire des zones que j'ai pas finies. Et du coup là j'essaie de faire un géant. Donc on va essayer de looter, de récupérer mes runes. Mais non, mais il fallait que je me pousse. Pourquoi j'ai pas... Pourquoi je me suis pas poussée? Ok. On va faire ça. On va faire ça.
me tire. Non, je prends la porte, tu veux la casser. Ça, je sais ça. Je sais des trucs. I know things. Il est trop vénère le type. Quoi qu'il m'a visé. Ça m'énerve un peu. Vas-y, viens. Vas-y, ma peur. Je déconne, j'ai un peu peur en fait. Hydrodeg. Ah ! Il casse des murs encore ! Ah ! Je suis surprise, hein ? Et non ? Mais il est mort, je m'en fous. Ok, loser. Il a marché sur les ruines. T'as équipé ta dague. Ah non, je l'ai équipé, mais... Attends, l'histoire, c'est... Pourquoi ça marche pas? Ah! Il y en a deux, ouais. En fait, j'ai mon épée et ma dague qui me sert juste à me buff. Mais je sais pas tout à l'heure, vous avez vu, j'ai pas réussi à le faire. J'avais peut-être plus de mana, j'ai pas fait gaffe. Des bisous, Grisou! Bonne nuit! Fatigué la mémoire. Non, mais effectivement, tout à l'heure, il y a eu un souci. C'est officiel, c'est là que c'est la meilleure. Oh, ça, on le savait. Des zoubis! Merci beaucoup, Grisou! À demain! Je lui fais bien mal là, vous avez vu? Ah ouais, parce que j'ai visé sa tête. Ouais, je savais. Je savais que ça ferait ça, c'est pour ça que j'ai essayé de tirer vite, mais ça m'a marché. Tu sais, les roulades, c'est pas sur Magic à tout, mec, hein. On la prend, nous, joueurs, hein. On voit bien que toi... Toi, tu fais pas d'effort, hein. C'est rigolo, tu vas pas être comme ça. Je suis très à l'aise dans ce type de combat. Sam! J'ai presque 100 000! Vous avez vu? J'ai presque 100 000! Maintenant, il faudrait vraiment que je trouve un feu de camp. Ça serait bien. J'ai presque 100 000, hein? Bon, les rats, ils me saoulent. Ils me saoulent. Et moi j'ai pas de 100 000. Oh mais c'est un marchand. Ah non. Un marchand. Oh, j'aurais trop cru que c'était un marchand. Ah ok.
Ok, ok, on a un truc ici. Je veux voir au feu quand même. Il n'y a pas un marchand ici? Ça aurait été un endroit trop bien pour un marchand. Bon, il aurait été super mal, lui, mais en vrai, ils ont toujours des endroits où ils sont super mal. Bon, après, c'est pas un super lieu de passage. Ah non, pas ça, me. J'ai rien. Je dirais. J'ai dit un. Oui, oui, j'avais ça, me. Tu vois, j'avais déséquipé mon épée, c'est compliqué, ça, me. Sam! Oh, tu sais très bien que quand il faut que je me plaigne, je me plains à toi. Merci Louisiana. Pas du tout ça. Merci Louisinia. J'ai vraiment... J'avais que la première syllabe, le reste c'était en roulis total. Merci à toi. Sam! Quand ça va pas, c'est toi que j'appelle. Et je gueule. Elle de bon, ouais, là c'était. C'était un bordel complet dans ma bouche. Merci Mokani. Merci beaucoup Bernard. Ah non, moi c'est Marcus. J'étais pas loin. Il y avait le W en commun. D'accord. Et bah, let's go. Putain, j'ai trop pas vu. Voilà. Eux, la magie, normalement, ils ok. Pas grave, bonne soirée à vous. À une prochaine, l'heure du dodo. Bonne nuit à toi, Luisinia. Là, j'ai fait gaffe. Merci beaucoup. Et des zoubis. Bon ronflage, ouais. Il y a des bouts d'électricité là. C'est quoi qui fait ce bruit là? Je me rappelle pas de mobs qui font un bout d'électricité. Ils me font mal eux quand même, hein. En même temps, tout me fait mal. Je suis putain de chips moi. C'est quoi qui fait ce bruit là? Du quoi? Qui m'a tapé? Il m'a envoyé un truc de loin? Comment ça? Quoi ça? Oh, c'est trop intriguant. En même temps, je sens que c'est le genre de truc où je pourrais même pas attaquer, ce sera juste un piège comme les boules électriques et je pourrais rien faire et en plus ça va me foutre des dots. J'ai bon, hein. Sûr, j'ai bon. Un ma explosif. Petit saut. Des fois, c'est bien un petit peu de faire travailler les genoux. Bon, en même temps, quand on monte à une échelle, je pense qu'on travaille un peu les genoux. C'est rigolo ces machins là. C'est qui? Arrête! Ah, il m'envoie des bouts de sa tête. Oh, il m'a buté. Ah! Je souffre un peu. Bon. Juste un piège comme les boules. Comment tu sais? Bon, j'avoue, c'est logique en fait. Mais comment tu sais? Acteur studio sur 20. Il donne du mal, hein?
Heureusement, ils meurent vite. C'est juste que faut pas que je laisse leur laisse le temps de me taper parce qu'ils me font aussi très mal. On se mate mutuellement, c'est assez équilibré. Comme certaines relations amoureuses, en fait. C'est émouvant, cette métaphore. Voilà, ça c'est géré. Ensuite, je vais ici. Est-ce qu'on a tous carré une conscience de toi? Mais je les récupère, t'inquiète, dis ok, c'est bon là! Tu mets la pression, c'est ça? T'as pas que ma mère, c'est moi! Pas facile d'être moi! Oh, ça c'est un loot ça! Regarde pas la chambre! J'utiliserai plus jamais! Mais voilà! Exactement. Canicule est une fête commerciale créée de toutes pièces par les pompes funèbres. Ce qu'il raconte. C'est vrai que t'es à Nice, toi. Toi, t'y pépé, toi. Oh, j'ai plus de mana. Mais Sam, j'ai plus de mana, putain. Et voilà. J'ai 129 000 maintenant. Ça va être beaucoup à perdre, hein. Allez, on monte. T'es dispersé. Et toi, t'es... disagréable. Si vous voulez un truc en 10, je sais pas tout et tout de suite. Oh, wow. Moi, je pense que ça craint rien. Ouais, je vais looter des trucs que j'ai pas besoin. J'adore ça. Ah! Attends! Oh, je te connais, toi! Oh, je t'ai déjà croisé! Ah, t'es bloqué! Et voilà! T'es deg, hein! T'es trop à chier, mec! C'était facile, c'était très facile. C'était facile, c'était super facile. Comme si j'avais tué un bébé mourant. On va pas dire ça, pardon. J'ai ouvert la porte. Y'a quoi, si... quoi par là? Y'a le feu. Y'a le feu. Y'a le feu ou y'a pas le feu? Y'a le feu ou y'a pas le feu? Le feu. Le feu il est où? Vas-y, pensez tes runes. Mais ouais, t'inquiète. Tout va comme sur des rollers. Hein? Je suis où là? Hein? Mais Sam, c'est où? Oh, mais c'est trop long. Ah non, il est là. Tu vois, je le savais. Alors. C'est l'ascenseur. Ça va, je l'ai trouvé. Pas l'enfer, pas la peine d'en faire tout un débat. De toute façon, c'était pas bien indiqué. Hein. Alors. Bon. Je pense que je vais continuer à mettre un peu en éso. Je sais pas. Alors. En fait, j'hésite. Si ça vaut plus... Est-ce que ça vaut encore le coup que je me mette plus de points en endu, vigueur, esprit? Même si en vrai, oui. Dans les faits, c'est quand même un avantage que ça me donne. Mais j'ai 30. Et tu m'as dit au bout d'un moment... C'est beaucoup trop. Ça t'aide plus beaucoup.
je suis toujours un peu low en endurance et en vie. Hein. Ah ouais. Imaginons, je mets en endu. Je passe de 132 à 133. Charge équipée, voilà. Alors attends, immunité. Ah oui, ça me donne encore des points en immunité et tout. C'est bien ça. Si je mets en esprit. Ah oui, ça donne des points à tout. Je savais pas. Ah, oh, je devrais mettre en vie encore. Pas ouf quand même. Oui, bah oui, pas ouf. Bah, je suis 30 plus, hein. Sinon, je mets en éso pour essayer de faire plus proc le saignement. Bête boule. PC, tu prends davantage. En vigueur et dame, ouais, hein. Vigueur, ça m'a impressionné. Fleur PC. Ouais, je passe de... Ah ouais, bah je vais mettre à 200 en PC. Je vais en avoir besoin. Ah ouais, en éso, je vais te dire. Mais le problème, c'est que moi, c'est le proc du saignement qui m'intéresse. Je passe de découverte 110 à 111, on s'en fout. Sacré, je passe de 149 à 151. Et sinon, j'ai un point partout. Deux en vita. C'est pas fou. Mais ce que j'arrive pas à me rendre compte du proc de... Des chances de proc du saignement. Parce que ça, on te le montre pas. D'ailleurs, je le savais pas avant, quoi. Non mais je vais mettre en esprit pour avoir 200 en PC. Ce sera pas gâché du tout. Sachant que ça me donne aussi des points ailleurs. Je pense que je vais faire ça. Et puis le prochain niveau, on verra. Chaque niveau est un équilibrage. Je sais qu'en passant de 10 à 12, tu vas prendre pas mal. Ok, bah je ferai ça alors. Force plutôt. Mais force... Ouais, faut que je vois ce que ça m'améliore. On verra après. Allez. Ah, j'aurais dû faire avant. Je vais pas m'avancer tout de suite, je vais faire ça. Merde. Je suis un peu avancé, je crois. Oh non, c'est encore ça! Attends! On fout, je sors. Ça se passe pas bien. Oh, je suis trop loin. Ok. Oh, c'est rigolo, il a sa grosse tête devant moi. J'ai plus de mana. C'est pas grave. Si c'est grave, wesh. Comment ça? Rip sur ma boca, j'imagine, ouais. J'avais mon shield, mais en fait, vu qu'elle met un dégât quand elle prend déjà, bah en fait, ça m'a enlevé mon shield. Et du coup, dommage. Après, il est stylé. Il m'a démonté fondement plein de fois, il attaque depuis 15 km là. Oui, c'est vrai qu'il est immense, il a une portée de fou, il a des pouvoirs. Enfin, il a des pouvoirs. J'ai l'impression d'être dans une série.
Il a des sorts. Et en plus, il se TP. Donc c'est vrai qu'au cas qu'il doit être très chiant, il vole à moitié. Rip the cake, mais le plus beau du jeu. Et ben, j'avoue que j'aime beaucoup, mais... Le cerf était trop stylé aussi. Et tu vois, on fait penser à Toy Story. Avec le jouet, qui a que la tête. Ah ouais! Oui, la tête sur des pattes... Sur des pattes genre comme d'araignée. Un petit peu. Moi, je vois des antigéniques à pharmacie. T'as des symptômes? Ou tu fais ça parce que tu dois faire un truc? Mince, j'aurais dû mettre mes buffs avant. J'y ai pas pensé. C'est pas grave, on va faire 100. Et on fera plus tard. J'ai la peine touché, moi. Je suis obligée de m'approcher, j'ai pas le choix. Mais en fait, j'essaie de m'approcher 2 secondes. J'ai des runes, mais bon, j'en ai 15 000, on s'en fout un peu, non? Plus mana, j'avais pas fait gaffe. Merde! Et ben voilà, il va me tuer. Il me tue forcément s'il me fait ça, cet enfoirax! Tu vois rien quand tu dois rester dans ses pattes? Oui. C'est vrai que ça, c'est un gros souci, ne pas pouvoir reculer un peu plus la caméra parfois. Vu l'immensité de beaucoup de boss. Mais bon, ça fait aussi partie de la difficulté, j'imagine. Mais putain, ne juste pas voir, c'est... Mourir parce que tu peux pas avoir un truc quand même, c'est un peu, voilà. Tu dois deviner en fait. Alors. Tac. Non. Tac. Non. Tac. Non. Tac. J'y arrive. Ensuite ça. Voilà. Donc là, voilà. 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 Allez, c'est bon. On a préparé, on a tout fait. Merde. J'ai plus trop tard. Ça vaut le coup de se préparer pendant 5 minutes pour ce résultat pitoyable. Pas de goût et fût d'odorat. Ah bah voilà, mais oui, je te l'avais dit. Tu m'avais dit, bah non, c'est juste un rhume. Mais d'accord. Et autotest positif. Mais pour être sûr, parfois les autotests, ça veut rien dire. Les faux positifs sont assez rares. Les faux négatifs, ouais. Bien sûr, parce que c'est très facile de mal faire un test. Mais les faux positifs, tu peux avoir un peu confiance, quoi. Enfin, après avec les nouveaux variants, j'en sais rien, mais je sais que quand je l'ai eu, il n'y avait pas trop de doutes, quoi. Alors. Besoin de temps de préparation pour faire ça. Je fais ce que je peux, hein. Les plus gros comme les géants. Oui, mais oui, c'est ça. Ouais, les géants, les dragons. C'est vrai que c'est des mobs qu'on voit souvent quand même. Oh, le dragon de magma là aussi. Je peux jamais rien faire à cause de lui. Merde, j'ai pas fait gaffe.
Merde. Non. Je cherchais son point faible, j'ai pas trouvé. Mais en fait, il était juste au niveau de sa tête, c'était logique. Mais j'ai cru voir la lumière ailleurs. À cause de ses, je sais pas. C'est halo lumineux sur ses, sur son corps. Dommage. Pas fou, mais bon, on prend. Voilà, je prends pas de risque. Trop loin. Météorite d'Astel. Il est sensibilisé à la magie, saignement. Alors t'es pas forcément avantagé. Non, je suis, voilà, je suis quand même avantagé par la distance, honnêtement. Mais si je veux lui faire mal, bon bah mon coup spécial il fait quand même plus mal, quoi. On a réussi. J'ai pas besoin d'aller là, en fait. On est trop fort. Un peu plus moi encore. GG, merci. Combat long de loin, mais que tu remportes. Un combat de près où tu meurs rapidement. Je comprends. Ah, il est sorti par la bite, celui-là. Merci Ratraz, bienvenue à toi. Merci beaucoup. GG Marcy, vous êtes adoro. Sans voir une. Ah ouais. Eh ben, ça va être les os, hein. J'ai mon ventilateur allumé. Mais je me disais, j'ai pas chaud. Est-ce qu'il y en a un ici où faut que je descende l'ascenseur? Bah non, faut que je descende l'ascenseur. Bon, bah, on va le prendre. Je vais aller direct. J'y vais direct. Bah, je vais le mettre en éso alors. En ésotérisme. Pour le saignement. Ah, il me manque 373, mais dis donc. C'est un peu coquin ça. Force et os. Ah oui, mais force, ça m'aiderait en quoi, en vrai? Force, ça me met un dans tous les trucs physiques. Et c'est tout. Mais je sais pas en quoi ça m'aiderait. En dégâts. Je me demande si la dex serait pas plus efficace dans ce cas-là. Ça me rajoute du dégât sur mon arme. Alors que la force, non. La dex, ça m'ajoute 2 en D1, donc j'imagine que j'ai mon épée. Ah oui, bah c'est ça. Puis l'autre, c'est ma dague, on s'en fout. La
Ça dépend toujours de ton level actuel. Ouais, mais force, est-ce que vraiment ça aide pour les dégâts des épées? Force plus tard. Ok. De toute façon, ça me donne aussi des points vitalité et tout, donc je prends. Voilà. Bon! On a découvert un feu ici, on a fait tout ça, on a galéré, on a tué plein de trucs pour un petit point de repère ici. Bon, en vrai, on a découvert des trucs, mais... Voilà. Il va vraiment falloir que je trouve des campements un peu plus, quoi. Enfin, des sites de grâce. Parce que là, pour le moment... Sites de grâce, points Zinia. Hein. Faut que j'aille, du coup, mettre des points par là. Là. Voilà, on a des points comme ça. Sinon, je me disperse. Et je me dissipe. Après, on me dit, tu es dissipé, tu es dispersé. Alors que pourtant, c'est tellement pas mon genre. Bon, ici, on va dire que j'ai fait, hein. J'ai un peu tout fait, quand même. J'ai même looté des trucs. Ah, là-bas. Attendez, cette porte-là, je l'ai pas faite. Mais je vais pas me taper des géants. Non. Je vais juste voir ce qu'il cache, ce qu'il renferme. Un gars qui a pété un câble. Et ensuite ici... Il renferme rien, sérieux? Il y a deux gardes devant du rien? À tous les coups, ça doit être eux qui vont looter des trucs. Là, j'avais looté. Mais c'est quoi ce bait là? Oh, je me tiens. Ça m'a saoulé. Ah, cette zone fait si mal aux yeux. Je vais aller en bord de map. Toujours bien. Ah, faut que le géant il pète des murs. C'est vrai qu'ils pètent tous ces gars-là. Les gars. Tu cours vraiment beaucoup, Torrent, quand je t'appelle, je trouve. Tu pourrais juste t'arrêter. Faut que les gens, ils pètent. Les géants, ils pètent tout. Attends. Ouais, je suis déjà allée là. À moins qu'en pétant tout, ils fassent tomber un truc. Ou alors c'est là. Plus les géants? Ah si, ils sont là. Ouais, t'es sûr que c'est ici? Bah je regarde les bâtiments qui sont tout fermés, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en fait. Ah ouais, il l'avait tout pété, c'est vrai. Bah, j'avais pas vu tout à l'heure. Hein. Pendant que c'est l'apocalypse là-haut. Et du loot. Allez, on se tire après. Hein. Frénésie intolérable. Ici, c'est un ça? Non. Oh punaise, je trouve des objets, je sais même pas ce que c'est. Merci! Oh, salut petit Lix, dis donc! Comment qu'il va celui-ci?
C'est un sort. C'est un sort. Mais c'est pas un sort d'un tel. Oh, stylé. C'est ça. Vos yeux projettent violemment une flamme exaltée dorée. À 31. 31. C'est beaucoup, hein. Ouais, c'est beaucoup, hein. Bon. Et eux, ils foutent quoi? Ah non, c'est pas eux. Je croyais qu'il y avait un petit mob derrière, mais en fait, c'était un pied. Bah, je vais regarder un peu là-bas, quoi. Là, je retourne dans le brouillard, non? Pourquoi il y a des sticks mous ici? Pourquoi il y a un stick mou? Je n'en ai pas beaucoup, je crois. Un ou deux. Pourquoi t'es low? Ah non, je pensais que c'était une entrée de quelque chose. Je tente hein, des fois un peu désespérément. Les entrées secrètes, tout ça. N'aurais pas trouvé beaucoup sans qu'on me le dise, quoi. Oh, bah dis donc! Tu connais, toi? Face de grenouille. Face de tortue. Face de fœtus, un peu aussi. J'ai vu, toi. Phase de fœtus, hein. Allez, let's go. Petite entrée secrète, là. Je l'ai trouvée, finalement. Oh. Un peu sombre ici, non? Ouais. J'arrive. Le palais de Mogwin. Mais où suis-je? What? Wow. Oh punaise! Ça fait longtemps que je t'ai pas revenu à ce souterrain, regardez comme c'est trop stylé! Oh! J'adore cette zone, mais j'adore! Où je descende si je descends. Faut vraiment que je descende là? Mais c'est dingue ça! Où je descends, attention, à 3, 2, allez! Ah, je stresse! Allez, je descends. Et un petit feu. À chaque fois, je crois que je peux dodge les dégâts de chute en se faisant le double saut, mais évidemment que non. Mais j'agis quand même comme si. Alors je sais que c'est pas le cas. Mais il y a du sang partout, quoi. C'est trop métal. Au moins trouver un passage à un nouveau truc. Ouais, c'est ça. Ouais, on a pas fini ici, moi. Ah zut, hein. On a pas fini ici, mais... Merde, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je t'éclate, toi. Ça va pas d'être tout piquant? Il fait trop peur. Je vais te décéder. Mais arrête! Ils sont trop méchants. Oh la vache, la purge. Alors, je vais essayer de faire ça avec mes pouvoirs. Peut-être qu'après, ils m'attaquent pas si je passe à côté, mais bon, là, on va tester.
Pas cool, ça va pas cool, mec. J'aurais pu le faire avec un coup d'épée, j'ai un peu abusé, j'avoue. Mais avec les gardes qui vont m'attaquer, les autres ils m'attaqueront pas. Des os. C'est trop cool cette zone. Je suis trop contente de revenir ici. C'est trop bien. Attendez, je prends une petite popo. Ouais, c'est bon, je suis prête. C'est un peu les foufours. Drôle ces mobs. J'aime trop leur tronche bizarre. 2K par mec. Ah ouais. J'ai mangé Ezou au lit après. Bonne fin de live tout le monde et merci Lux pour la diffusion en direct. Mais je t'en prie, en tant que qu'animatrice diffuseuse en direct sur internet, je suis ravie de vous offrir ce contenu sur une plateforme de type en ligne. Des bisous, bonne nuit à toi. Mais j'avais pas de runes ou 2000. Là, j'ai 33 000. Du coup, bah, c'est un bon coin, en fait, si tu veux récupérer quelques runes. Vu qu'il y en a plein qui bougent pas. Tu peux juste les tuer en 2 coups d'épée. J'apprécie. Ça me fait rien ça, hein. J'ai un peu peur. Je dirais que ça me fait rien. Ça me fait R. Rune du héros. Waouh. Oh, qu'est-ce que tu es, toi? Dîme du sang. Ok. Oh, je t'ai pas vu. Ah, je sais pas, j'ai pas trop envie d'être comparé à ce type de contenu, Moglobin Dark. J'ai beau avoir un vagin, j'avoue que je sais pas si je mérite pour autant d'être comparé à ça, quoi. Mais j'ai compris qu'il y avait un compliment derrière, alors c'est gentil. Oh, ils sont tellement rapides, ces enfoirés. Ils sont beaucoup là. Vache.
J'avais 8 popos. J'en ai plus que 3. 8 popos de mana. Mais il respawn, c'est pas possible. Ça va pas marcher. Les surfman! Des excréments sanguinolents, bah c'est bien de ramasser ça. C'est bien, hein. Peut-être arrêter de ramasser tout ce qui traîne quand même, je pense. Ok, il respawn pas, mais il y en a trop, quoi. Oh punaise, je récupère des popos. Ah, énormément, une de chaque, je crois. Pas foufou, hein. T'es pas foufou. Est-ce que je vais là-bas? Je peux mettre ma monture? Oui, je peux mettre ma monture. Et là-bas, je vois un truc immense. Bon, voilà. J'arrive pas à voir ce que c'est. On va pas y aller tout de suite. On va voir un petit peu. Là, on a nettoyé... Enfin, nettoyé. On a nettoyé un... Allez... 5 mètres carrés de la zone. Peut-être moyen qu'on trouve un petit feu quelque part. Ouais, ça sentait le piège, ça. Je me disais, mais qu'est-ce que ça pourrait être, le piège? Bon, bah, ça peut être ça. Non, mais c'est chiant. Ah, bah, regardez tout ce qu'il y a! Et la donne encore! Ils sont beaucoup trop... Oh, la vache, c'est pire que les rats! Regardez, il y en a encore là! Ah, mais il m'attaque pas. Ok, ok. Non, mais si c'est... Mais... Ah non. Putain, je me suis dit, mais j'ai déjà nettoyé cet arbre-là. Bah non. C'est celui-là que j'ai fait. Et du coup, je suis d'à côté. Oh non, mais c'est pas possible. Ah, oh, c'est bon, hein. Faut que j'économise un peu de mana, là. Et par un petit feu, ce serait parfait, là, genre, là. Non. Tu suivis? Non, ça va, ils me suivent pas trop. Je ne fais que pas ça. C'est pas en haut, la map? Ah, putain, j'ai peut-être pas fait attention. J'ai peut-être pas fait attention, mais je... Je sais pas. Je me suis arrêtée parce que je me suis dit, est-ce que c'est le mob là qui le gère? Je vais le tuer. Et j'ai pas eu le temps de beaucoup réfléchir. C'est nul! Ça va, j'ai quand même pris 2 niveaux aujourd'hui, ça va. Ou 3 même. Ou 2. C'est pas mal. Bye bye, oui, bah ça va, je le sais, hein. Chaque fois, t'appuies bien sur le couteau, là. Bien le couteau dans la plaie. Je vois pas. C'est peut-être juste avant, mais avant, je peux pas remonter. Tiens les cordes, mais cesse. Ah, c'est là. Pas là? Ah non, je pensais. Non, bah non, ça doit pas être en haut, alors. Ça sert plus à rien de se prendre la tête avec ces connards. J'en ai marre. Juste courir. Hein. J'ai compris. Nitaralox TV n'est qu'une humaine, ouais! On te demande comment j'ai encore la pêche avec tout ça. Hein.
Oh. Dix mille ! Bim ! Putain, je pensais pas qu'ils en avaient autant. C'est énorme. Ouais, c'est ça. C'est lui là-bas. Non, c'est pas lui en fait. Si, c'est lui ? Oh là ! Arc runique, hein. Ok, ok. Ça va, ça va. J'avais l'impression que c'était un leurre. Et que c'était un autre mec derrière. Il est là. Oh la vache, ils font trop mal. Je pensais que ça s'arrêtait à un moment, mais non, c'est vrai que ça met du temps. Ah ! Dégage avec ta tête de fœtus ! Ah, il est tard un peu, hein. Faudrait qu'on se couche quand même. Vous êtes pas fatigués, vous ? Franchement... Vous êtes trop fatigués, je pense. Récupérer mes runes. Bon, j'en ai 10 000, qu'est-ce que je m'emmerde moi. Et j'ai pris trop cher. Oh, il se fait taper par son propre truc. Ça prendra, tiens. Donner plus, hein. C'est quand même une... c'est quand même un stress physique différent. Quoi, toi tu dures, toi. Putain, j'en peux plus, je n'apprends pas. Bon, ça va, j'entends ma deuxième nuit blanche. Mais pourquoi? Va te coucher, killer. On embrasse tous les fœtus qui nous regardent. Non. On va y arriver. Hein. Je voudrais juste aller au prochain feu au moins. C'est trop chaud. Ah mais... La nuit au moins c'est là où il fait un peu plus frais. Donc c'est là où tu peux peut-être réussir à dormir. J'arrivais pas. J'arrive à rien.
J'ai peur. Donne-moi plein de sous. 11 000. Merci. C'est mérité. Allez, on met des buffs un peu, hein. Oh non! Non, j'ai raté! Non, sérieux! Je suis les résistes. Trop chiant! Ah, pas chez moi, je suis sous les toits. C'est nettement pire que le jour. Mais oui, oui, c'est vrai que sous les toits, ça accumule full la chaleur toute la journée et pour la faire partir après, c'est l'horreur. Pour réussir à créer des courants d'air et encore, faut qu'il y ait un petit peu de vent un minimum. Ce qui n'est pas forcément le cas en ce moment. Non, mais je m'en fous, je me tire, j'en ai marre de vous. Oh non, j'ai pas de feu. Bref, je prends ça. Ah, j'ai trouvé la carte. C'est ici la carte? Bah dis donc. Comment j'étais censé savoir ça? Gamin. Ah d'accord, j'ai cru que quelqu'un allait spawn, j'ai eu peur. Voilà. Oui, des popos, ça c'est cool. Il est où l'autre là? C'est lui? Il s'est spawn un truc aussi loin? Non. Ah, j'ai qu'à confiance. C'était lui, il était super long. Bon. Ok, je me tiens. Il y avait 35 degrés vers 17h. Moi, c'est genre 25, 24. C'est bien que l'emplacement de la carte, en fait, carrément à l'opposé. Fais voir du coup. Waouh, trop stylé. Punaise, je suis trop content d'avoir découvert cet endroit. J'avoue que ça me fait bien plaisir. Ah ben le voilà le petit feu. Passer un niveau. Non, pas du tout. Hein. Ah, il m'est sorti par la bite, celui-là. Merci Technoblade. 1200. Il y en a peut-être 1200, mais pour nous, tu es le seul et l'unique. Merci, bienvenue, c'est gentil. Donc là, vu que je suis dans le palais, je vais plus pouvoir utiliser ma monture. Oh là là, trop chiant.
D'accord. Désolé. J'y savais pas. Ma faute. Donc eux, faut surtout pas que je sois à proximité quand ils meurent. Mais quand ils meurent pas, genre là je leur mets un coup, ça me fait mal ? Non, ça va. Voilà, et c'est le dernier coup où je dois être loin. Is ok. J'ai compris. Moi je suis maso d'insister pour que t'aies exploré des endroits pourris. Quand je vois la joie illuminée sur ton visage, quand tu te fais buter dans une nouvelle zone, je suis tellement heureux. Ça c'est une belle manière de voir. C'est spécial en fait Elden Ring quand même, les sensations hein. Non mais c'est très joli. Oh la vache, les mobs. En vrai ils sont stylés. C'est des enfoirés mais ils sont stylés. Ils vont tous exploser. Non mais là j'aimais bien moi les souterrains. J'aimais bien Argicodat. Même si j'ai l'impression que je... un peu le regretter quoi. Petite sensation comme ça. Petite intuition j'ai envie de dire. Non mais c'est chiant. Si je fais ça. Vous respawnez ou quoi? Parce que c'est chiant si c'est le cas. Ça va pas m'amuser hein. On a juste 1 milliard. Ok. C'est fait. C'est pas fait en fait. Oh là là. Ils courent comme ça, ils font tellement peur parce que tu sais que c'est la mort qui arrive. En même temps, leur façon de courir me fait rire. Pourtant, c'est d'avoir le choix. Pourtant, c'est de rester consentant et consentante avec ce que je nous fais. Je vais pas me plaindre parce qu'en vrai je suis pas au 4. Hein. Si t'es que au 4 qu'ici, je pense que c'est un peu l'enfer. Du coup. Merde. Ça va. Ça reste un peu après là si j'y vais. Ah non, ça va. Rune d'une humaine. C'est une humaine. C'est une humaine. Hein. Bah, les noms des fois me font rire inutilement. Arrête. Mais... Ah oui, c'est le mauvais. J'ai le mauvais sort. Linguino. On fait pas beaucoup la magie, mais bon. Moi, j'en tue plusieurs à la fois, quoi.
Ouais, allez, me tire, j'en ai marre. C'est bon, vous allez pas me taper, vous. C'est bon. Oh non, la sainte mélasse! D'accord, j'ai compris. Alors, bisous Vernalou. Bonne nuit, merci d'être resté jusque là. Et à la prochaine, à demain j'imagine, des zoubis. Si je te crame, t'as mal. Oh, c'est bien ça. Crame en permanence, alors c'est pas mal, non? Ah, ça me demande beaucoup de mana quand même. Trop chiant ce truc. Oh, j'ai trouvé le point faible. C'est fantastique. Je suis toute petite aujourd'hui, je me rends compte. J'ai vraiment fait ma camante. C'est bien. Ça me dérange pas. On va réussir à avoir l'autre. Ah ouais, t'as le temps en fait d'esquiver. Niveau mana, ça commence à être chaud, hein. Bon. Oh, il y a un passage ici. Ah bah non, trop relou. Je vais quand même voir. Ça m'emmerde. Y'a pas un petit objet? Juste ça? Très très déçu. Ah si si, petit objet. C'est l'âme de pierre. On doutait qu'il allait faire foufou. Ça va. J'ai tué tout le monde. Je suis mort comme un couillon. Tout en haut. J'ai refait en courant. Ouais, bah c'est ça. Ça va me saouler, ça. Oh, par contre. Par contre, ça, je prends.
En plus, c'était des roses. On n'a pas souvent dans le jeu. Ben moi, faut que je garde un peu de mana là. Si je les tue tous. J'espère qu'il y a une statue pour respawn. Parce que ça craint. Ça pue duc un peu là. Ça pue du fion. Oh, tu vas me foutre full saignement. Des trucs. Non. Il y a une effigie. Il y a une effigie. On va voir One Woman. Ah, oh, bah ça va. Je vais respawn en bas. Pas fou. Ok. Mais c'est un marchand qui joue comme ça. Eh oui, t'as reconnu mon petit gars. Et plus plate excuse. Vous êtes une clé, hein? Mais c'est besoin de rien. Ah oh, si, ça je prends. J'ai bien peur de n'avoir que peu d'articles à vous proposer. C'est pas grave. T'es là et c'est déjà bien sympa. Je me demande comment tu peux être là, mais ça respawn. Tu veux bien m'aider? Respawn. Ça respawn quoi. Oh là là, ça commence à être dur. Ça commence à être compliqué. Je pense à faire ça. Je pense à faire ça aussi. Ah, je prends tout là. J'ai plus d'endu. Ah putain.
Mon cher, hein. Oh, c'est un loot doré. J'ai jamais vu un loot aussi doré. Rune de seigneur. J'ai déjà eu ça? Non, jamais, je crois. T'as vu le buff que ça te met? Ouais, j'avoue. La FTR aujourd'hui. Ouais, ça, je bosse pas demain, même si j'ai plein de choses à faire demain, mais je vais pas les faire. En ce moment, avec la chaleur, je m'endors de toute façon tard. Donc bon. Quitte à m'endormir tard, autant passer un peu de temps avec vous. Par contre, je bosse samedi, donc demain soir, ce sera pas la même. Hein. Non, c'est vrai que ce buff est fifou. Hein. Ce buff est fifou. Je vois la diff. Hein. C'est juste que bah j'ai pas du tout le réflexe. Faut vraiment que j'y pense. Quand je sais que ça va puer du fion. Par contre, il y a les spawns en perma, on est d'accord. Eux, c'est pas un nombre de personnages au même endroit. C'est juste qu'ils respawnent en permanence, quoi. Je comprends ça comme ça. Légendaire! Mais ouais! J'ai un truc légendaire! Salut, Probuflol. 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 Plutôt. Ah! Enfin! Oh, j'aime trop. J'aime trop les vues qu'on a ici. C'est de la triche parce qu'ils mettent plein de houpiotes et en plus, bon, c'est... des fois ça fait un peu bizarre. Mais c'est stylé quand même. Ça marche. Moi j'aime eux. Je vais me proposer au feu. Je pense que c'est bien. Je passe un temps infini à aller tout farmer, à tester toutes mes armes, mes cendres. J'avançais que dalle, mais je suis super content de ma combo. Mais oui, mon copain, il a fait pareil. Il m'a expliqué un petit peu comment il a un petit peu étoffé son build, testé, fait plein de trucs différents, aller chercher, optimiser, machin. J'ai pas la... J'avoue, pas la patience. Mais pourtant, je sais que c'est ce qu'il faut. Donc merci. J'avoue, c'est cool. Là, on sait que ça va puer du quin. Attends, dingue, mais oui. Légendaire, je suis légendaire. Bah il y en a qu'une comme moi. Je suis unique en tout cas. En vrai j'en sais rien. Et tu me fais exactement comme moi, mais vu qu'elle parle genre autrichien, on n'en sait rien. Enfin on pourra pas, voilà, moi qui vous parle autrichien. Peut-être une streameuse genre tout pareil que moi. Mais juste bah vu. Donc elle parle la même pas la, enfin, pas la même langue, on sait pas. Oh, je suis sûre qu'elle est mieux que moi en vrai. Oh non. Alors ça par contre c'est triste. Le design de cet endroit est ouf, oui. Ça s'en met plein les yeux hein, quand même. C'est le coup des lumières, mais ça marche. Moi, ça marche. Moi, ça marche. Donc, j'essaie de pas mourir bêtement, ce serait pas mal. Est-ce que je peux en tuer un comme ça? Je pense pas, je pense qu'ils vont tous se retourner. Kirsat, il se disperse tous dans tous les sens et il me tape. Ouais, c'était pas une très bonne idée. Voilà, on va aller faire un petit peu step by step, one by one. Fœtus by fœtus. Raté mec hein. Putain, c'est trop mal. Non, je vise pas. Je vise. OK.
Plus que deux. Ah ça, je peux les interrompre. Ça, c'est une très bonne chose. Oh là là ! Bon. Et tout bidon comme boss. Enfin bon, vraiment un boss quoi. Un gros mob. Un truc bien. C'est légendaire! Clé de forge sombre des dragons anciens! Je vais pouvoir améliorer mon bâton. J'ai privilégié l'épée, je crois que j'ai bien fait parce que les buffs ils sont bien dessus. Et maintenant, je pourrais améliorer mon bâton. Bon bah c'est cool. On a vu plein de trucs. Hello, lolo. Ça fait un petit moment, toi. Comment ça va? Ah, on va où? Ah, on monte. Ah mince, je suis pas allée à la statue. Mais je vais aller. Je vais aller voir, surtout que je pense qu'ils vont tous respawn. Ah, il est bientôt 3h. Ah, ma jambe t'est pliée depuis super longtemps. Ah, j'ai mal. Aïe. Longtemps, ça va bien? Bah écoute, oui, ça va. Tranquillou. Petit live nocturne. Tranquillou. RKL. Rune dorée! Ça tombe bien, j'en avais pas beaucoup. Ça va, Lolo? T'es en vacances? Ah, je vais prendre ma jambe. Ah, elle était trop pliée, je me rendais pas compte. Du coup, j'ai mal. Ah, la blessure du streamer. Level 13, c'est 10 000 runes quand même. Ah ouais, c'est pas mal. Moi j'ai combien là de runes? 107 000. On va peut-être aller les utiliser. Hein. Pas encore en août normalement. Ah ouais, pareil. Mais oui, il me faut que je mange des petits biscuits. Tu me dis c'est des quoi? Rune dorée? On utilise une. Et il me manquera... Ah oui mince, j'ai pris la mauvaise. Ok, il manque 10 000. Rune dorée 13. Rune dorée 11, rune dorée 12. J'ai mangé lesquelles là? J'ai mangé celle-là. Elle est 10. 11. Voir celle-là? Ah, c'est 10 000, c'est bien celle-là. Ça devrait être bon. J'ai un nom de médicament ton pseudo. Le Probuflol. Écoute, c'est un médicament contre tout.
Rigolez au moins. du coup, on va se mettre deux en ESO, au moins. Ouais, je fais vite parce que là, j'ai envie de pipi. J'ai quand même envie d'aller voir ce qu'il y a au-dessus. Toujours pas essayé de ce jeu. Sauf à regarder des streams. J'ai trop de jeux à faire. Celui-là va me prendre trop de temps me connaissant. Il est vraiment loin. Même pour les gens qui voudraient le faire un peu rapidement sans trop se disperser, ça reste long parce que bah, tu veux pas non plus rusher sinon t'es trop bas level. Donc, à moins que tu speedrun, mais là c'est autre chose. Et du coup, ouais, il est... C'est clair. Si tu veux le tester... Effectivement, vaut mieux avoir 18 ans. C'est bon. Je me suis boost. Un peu plus casu, tu vas vite passer 2-3 mots, c'est ça. Après, bon, moi maintenant j'espace mes sessions de jeu. Voilà, j'y joue genre 2 fois par semaine, 1 fois parfois. Donc forcément, je mets encore plus de temps. Mais au début, j'y jouais beaucoup et ouais, hein, là ça fait plus de 3 mois hein, que je joue au jeu. Ah, j'ai envie de jouer. C'est vrai, Provuflot, ça fait mes decks. le pauvre. Moi j'aime beaucoup ton pseudo. Dearest Mikaela. Oh non, pas Mikaela hein. Très cher Mikaela. You must abide alone. Je dois vous laisser seul pour l'instant. Bienvenue, illustre hôte, au berceau de notre dynastie. Ça se la pète un peu. Ok. Vas-y, vas-y, à quoi? Tiens, t'es quasi mort. Ah ouais, c'est du saignement, ouais. J'aurais pu m'en douter. Ah ! Oh non, mais ça me rappelle des trucs, ça. Les tombes, là, les vieilles tombes qui t'empêchent de passer. Chiant. Non ! Quoi ? C'est chiant là ! La jupette qui m'a foutu. Zut. Ah.
Mog. Mais on l'a déjà fait, Mog. J'avais un indice dans le nom, Mog, seigneur du sang. Plus toute la zone pourrie. Enfin, c'est subtil, mais on comprend un petit peu. Oui, ouais, non, mais effectivement, il y avait des petits indices. Nouvel ami. Ah ouais. Il a deux phases, lui. Évidemment. Alors ? Ah oui, non. Ça, c'est fait. Et c'est ça qu'il faut que je fasse. Allez, bonne nuit, les nains. Mais quoi ? Bonne nuit, les fiacs. Je croyais que t'avais dit les enfants. Moi, je suis encore trop innocente. Des bisous, petit Moglobinda. Pourtant, c'est ton boss, ça. Hein. En même temps. Non mais je peux rien faire là. Non. Oh mes runes. Ah oui mais non j'en ai pas. J'en fous un peu en fait. Ah, j'ai du mal à lire ce mouvement à chaque fois. Oh, oh l'homme balade. Oh l'homme balade. Bon, je vais le retenter en tête. Oh, il y a une effigie. Bobby. D'accord. J'ai même pas fait gaffe. Tenter une ou deux fois, mais sinon ce sera pour la prochaine. Allez, une ou deux. Quand même. Le silence. Ah le talisman. J'ai complètement oublié. Pas pour le moment, c'est pas le saignement qui me tue, c'est ses coups. C'est juste ses coups. Le saignement c'est un peu chiant mais... Mais pour le moment ça va. Mais attends, c'est où déjà? C'est dans... Equipement. Je vais mettre à la place de... Ah bah oui ça. Oui normalement je dois mettre autre chose ici en plus. Ça s'appelle comment? Ça. C'est la robustesse? Ah, c'est ça. Putain, je me suis coincé comme une débile. Nilox, bon nuit killer. Des zoubis. Beaucoup trop de préparation pour un résultat légèrement décevant.
J'ai plus de mana, j'ai pas fait gaffe. Non, c'est ça que je vais faire du tout. Ah. Aïe. Le shield, j'ai l'impression qu'il m'a protégé. Tant que je l'avais, je pouvais pas avoir le dot. Enfin, le dot là, la ceinture. Oui, je l'ai eu. Non. Il est faisable, mais pas facile. Enfin, faisable. Ça dépend. S'il a deux phases, ce qui est très fort possible. Je suis moins sûr. Hein. Mais bon, on va apprendre. Allez, la dernière. Dernière essai. Et puis, let's go. La première scrimmage qui utilise la magie. Ah ouais ? C'est rigolo ça. Ah oui, ça c'est. C'est les builds saignements, ça attire tout le monde. Mais moi. Moi je galère. Moi. Oh la vache dans ma gueule ! Ouais. Mais j'ai pris cher, hein. Allez, je fais ça. Dans ta gueule ! Comment j'ai survécu, nul ne le sait. Hein. J'ai besoin d'espace là. Allez! Putain, mais vise-le! Super. Bon bah, c'est bien ça! D'accord. Et comment j'évite cette merde? Là, les entrailles du combat. On peut les plaquer au sol sur 10 secondes pour bloquer. Pour coller des... Attends. Pour les coller les dégâts. Mais ouais, mais moi j'utilise pas les objets pour les boss, moi. Que j'ai vu en tout cas. Je suis pas un pro dans ce genre de jeu. Je prends la magie aussi. Ben, en fait, j'ai pris la magie parce que je voulais un truc à distance. Et je voulais un truc aussi de noob. Parce que je connais pas ces jeux-là. Et j'ai cru comprendre que la magie c'était le cas. Et c'est le genre de gameplay qui peut être assez rigolo, quoi. Enfin, moi la magie, je trouve ça rigolo. Du coup, je me suis dit, bah ça me va. Vrai d'air. J'équipe avec tes fioles, tu te buffes, tu rentres, tu te targetes. Ouais, mais ça, moi, j'ai toujours fait sans les objets comme ça. J'en ai eu... Bah, pour tous les boss, on a des objets dans le genre, non? Enfin, tous les boss. Les gros boss comme ça. J'ai jamais utilisé. Tu triches là.
Allez, je me coince bien comme il faut. Ah, comment il vise trop loin, c'est insupportable. J'ai vu des combats à l'épée, faut être hyper balèze et connaître les boss par cœur, sinon tu meurs à gogo. Bon, c'est le cas toujours, hein, ça, de toute façon, plus ou moins. Mais c'est qu'à l'épée, en fait, tu feras plus mal. Tout simplement. Alors que moi, bah, je vais moins mal, souvent. Quoique là, bon, il doit pas être... comment ça s'appelle ? C'est ce que je veux dire. Il doit pas être sensible au saignement, mais souvent... les buts à l'épée font... On peut faire en sorte qu'il fasse très mal. À la magie, je sais pas. Quand on fait full magie comme moi, je sais pas. Bon, je vais arrêter la VOD là-dessus. On tentera une autre fois. Au revoir VOD.